Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur le fonctionnement des thermofrigopompes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine? Eh bien, une thermofrigopompe, c'est une machine qui permet de produire de l'eau glycolée froide, donc départ plus 5 hein, donc dans les catalogues constructeurs, mais on peut descendre jusqu'à donc, départ moins 9 en mettant donc, le pourcentage de glycol qui va bien. Et puis ici, de l'eau chaude, départ 50 souvent, et puis on va voir que dans le catalogue, enfin sur la machine qu'on va voir, c'est départ plus 70. Et puis donc, tant que mes deux ballons ne sont pas en température, eh bien, je continue à produire et du froid et du chaud. Et lorsque je suis arrivé en température sur mon ballon froid, par exemple, eh bien, il faut que j'aille prendre des calories dans l'air extérieur. Et quand je suis arrivé en température sur mon ballon chaud, il faut que je rejette mes calories sur l'extérieur. Donc d'où ici l'aéro-réfrigérant qui est là pour soit capter des calories, soit les rejeter. Voilà pour le fonctionnement d'une thermofrigopompe. Alors, lorsqu'on est en fonctionnement en chaud et en froid, donc on a des aquastats hein, qui donc, donnent l'information qu'on est en demande sur le ballon froid et en demande sur le ballon chaud. Mais on va boucler sur les ballons, tout simplement. Hein, donc le système frigorifique, le système thermodynamique fonctionne. Et on prend des calories sur l'eau, donc on la refroidit, qu'on vient rejeter sur l'eau donc, du condenseur, donc on vient réchauffer le ballon. Donc on refroidit en bouclant ici et on réchauffe en bouclant là. Tous les autres appareils sont non alimentés électriquement. Lorsqu'on passe maintenant en chaud seul, et ben on va boucler ici sur le ballon et puis on va rejeter ici, on va non pas rejeter, mais on va aller prendre les calories non plus sur l'eau de l'eau glycolée froide, mais sur ici la batterie. Donc je boucle et ici je viens couper ces électrovannes, enclencher celle-ci, celle-là. Et donc, je boucle ici, là-dessus, voilà. Et ici, donc, il y a les ventilateurs donc, de mon aéro-réfrigérant qui fonctionnent à pleine balle hein, pour récupérer le maximum de calories sur l'extérieur. Voilà, pour le fonctionnement chaud, seul. Lorsque je passe en mode froid seul maintenant, c'est pareil. Hein, là, je vais boucler ici sur mon ballon d'eau glycolée froide et puis je vais bypasser mon ballon d'eau glycolée chaude pour aller rejeter mes calories dans l'air extérieur. Donc, bon. Bouclage négatif, et hop, je viens ici couper cette électrovanne, ma pompe est en route, enclencher celle-là, j'enclenche celle-ci, et je bypasse. Et puis là, ici, mes ventilateurs, eh bien, si j'ai un détendeur thermostatique mécanique, eh bien, il faut que je régule ma pression de condensation, donc j'ai un pressurage HP de régule qui va piloter un des ventilateurs. Si maintenant, j'ai un détendeur électronique, je laisse mes ventilateurs tourner à fond, pour faire chuter ma HP, pour produire plus de froid. Voilà. Donc, le système du lycée, eh bien, c'est pas tout à fait ce que je vous ai expliqué. Le système a été réalisé en 1999 par des étudiants, et à l'époque, ils s'étaient dit qu'ils ne voulaient pas mélanger l'eau glacée produite et l'eau chaude, d'où ici deux aéro-réfrigérants séparés. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il y a deux aéro-réfrigérants séparés. Donc tout ça, eh bien, tous les éléments électriques sont pilotés donc, dans un via une armoire électrique, bien sûr, via un coffret. Et donc dans ce coffret, on retrouve ici un automate, hein, ici, et donc un petit tuyau de chez Télémécanique, pardon. Et donc du coup ici, sur l'entrée 1, c'est les sécu, sur l'entrée 2, c'est le ballon chaud, sur l'entrée 3, le ballon froid, sur l'entrée 4 et 5, c'est les sélecteurs froid seul, enfin, machine en production d'eau glacée, et puis machine en production d'eau chaude, hein, donc production d'eau glacée ou pompe à chaleur. Voilà, c'est les sélecteurs qui permettent de choisir ça, et si je n'ai ni l'un ni l'autre, c'est que je suis en thermofrigopompe. Ici, on retrouve le HP de régule. Et ici, donc, un BP de régule. Et puis ici, donc, les sorties hein, qui pilotent la production frigorifique. Et puis derrière, des électrovannes d'enclenchement d'alimentation des ballons, ou bypass des ballons vers les aéro-réfrigérants et les ventilateurs qui leur sont associés. Voilà, donc, pour la petite histoire, à la fin de la deuxième année, je supprime ce programme et les gars ont un temps limité pour réécrire le programme et faire les essais. Voilà pour le système du lycée. Maintenant, un système industriel. Bon, voilà, je vous mets une photo d'un constructeur que tout le monde connaît, en tous les cas, le monde de la rifferie. Donc ici, on retrouve
une prod avec donc ici un compresseur à vis hein, qui est là, on distingue pas vraiment très bien. Ici des échangeurs, ce sont des watts russes, et puis il doit y avoir un autre échangeur hein, pour l'aéro-réfrigérant qui permet d'alimenter l'aéro-réfrigérant. Voilà pour la présentation, je peux guère vous dire autre chose. Maintenant, la doc technique associée. Donc là, ici, là aussi, vous avez la référence donc, de la bête. Ici, le modèle. Donc si on prend l'entrée de gamme de la Redstrum 1200, eh bien, départ 70, avec une température d'eau glacée sortie plus 5, eh bien, votre machine produit à ce régime, hein, plus 5. Départ primaire, départ glacé et plus 70 départ eau chaude, eh bien, la machine produit 6400, pardon, n'importe quoi, 640 kW de chaud et 420 kW de froid. Et lorsque les deux systèmes, enfin, lorsqu'on est en chaud et en froid, la pompe à chaleur, elle, a un coefficient de performance de 4,4. Ça veut donc dire que si je fais 640 plus 420, ça fait 1000, en gros 1000 kW et j'ai. Un COP de 4, donc ça veut dire que je consomme électriquement, je dois consommer un peu plus de 200 kW. Donc ça, c'est le coefficient de performance lorsque la machine fonctionne en chaud et en froid. Lorsqu'elle ne fonctionne plus qu'en chaud, ça sera, le coefficient de performance va tomber à 640 divisé par les 200, un peu plus de 200 kW, là. Et lorsqu'on sera en froid seul, ça sera les 420 kW divisé par les 200, un peu plus de 200 kW absorbés. Et puis, je vous disais tout à l'heure, hein, ce constructeur hein, annonce eh bien, un départ à 80 degrés. Donc, si je veux de l'eau chaude à 80 degrés pour un départ de glacée à plus 5, eh bien, je produis 615 kW de chaud et 325 kW de froid, et mon COP global est de 3. Donc, même chose, hein, on peut rapidement retrouver la puissance absorbée, et donc recalculer le COP chaud et COP froid seul. Voilà. Donc, à savoir que ici on est sur de l'eau glacée départ plus 5. Si on met de l'eau glycolée départ moins 9, bah, la puissance rhéophile produite est quasiment divisée par 2. Donc la puissance calot rejetée elle est forcément moins importante aussi et votre coefficient de performance sera moins bon également. Hein, tout ça se recalcule. Je vous ramène à votre cours. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.